Passons-en. C'est la dernière ligne droite. Les choses ont beaucoup changé depuis que tu as quitté Paris. Nous avons beaucoup de torts à réparer. Et nous ne sommes pas prêts de trouver Germain. N'en sois pas si sûr. J'ai un nom. Lequel ? Robespierre. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode d'Assassin's Creed Unity. Déplacement rapide, je peux ou pas là ? Non. Ah, je ne peux plus rien faire, j'ai plus de déplacement rapide. Parce que je dois pas être le bienvenu au café théâtre. Si. Je vais quand même avant tout aller débloquer. J'aurais bien à récupérer quelques sous. Je vais d'abord aller débloquer. Je suis où ? Je suis là. Le point de vue. Je pense que ça me paraît important. 187 mètres. On va aller faire ça.
Allez, on est parti, hein. On va aller, désolé, il y a eu. Vous sentirez peut-être. Ah oui d'accord, vous sentirez peut-être une petite coupure au montage. Et tu. Voilà, c'est bien Arnaud, dis donc. C'est bien, tu vois quand tu veux, t'arrives à être moins con. Ça, je vous jure, des fois le gameplay m'attriste. Ils ont tellement voulu faire un truc de parcours qu'ils montent partout, même dans des endroits où après il est bloqué. Allez, continuons. Regardez, qu'est-ce qu'il a à monter sur la vigne? Je ne cours pas sur la, je ne veux pas courir et monter sur la vigne. Ils ont tellement voulu le parcours, c'est tellement à la mode et c'est tellement, on va dire entre guillemets, approprié au jeu qu'ils ont voulu l'implémenter. Et le problème, c'est que c'est des fois c'est mal géré et le personnage, il a tendance à vouloir monter partout. Là, je veux pas monter sur le côté, je veux continuer à monter sur le clocher. Allez. On synchronise. Je vais aller en vitesse au café théâtre. Récupérer quelques sous. Du moins, j'espère qu'il y en a. Je suis même pas sûr parce que je vois que le coffre est pas vert. On va regarder quand même avant de faire une connerie. On va quand même vérifier, ce serait con de faire un déplacement rapide pour rien. Si le coffre est pas vert, c'est même pas la peine d'y aller. Voyons voir. Ouais, donc il n'y a pas de coffre vert, donc c'est même pas la peine d'y aller. Par contre, en dessous, j'ai quoi moi? 4000. Donc qu'est-ce que je peux débloquer? Qu'est-ce que je peux acheter à 4000? C'est un peu la question. Bien, on va regarder en vitesse ce que je peux acheter. Personnalisation de personnage, compétences, qu'est-ce que je peux prendre en compétences? Portée 8, tiens, deux fois sans recharger, ça c'est important ça. Après, discrétion, ça c'est la chute, on s'en fout. Porter un ennemi allongé pour l'employer. Ouais, bah ça après. Je sais pas si c'est. Je pense que. Bref. Je pense que c'est plus important. Je me sers quand même vachement plus de la lame secrète que. Qu'autre chose. Alors, préparation de l'équipement. Équipement. Taille. Ceinture 4. Ok. Jambes 4. Ok. Avant-bras 2. Donc, on va acheter un avant-bras au moins de 4. Amélioré de rôdeur, si je peux. Et ça, c'est pas sûr. 5000. 4500. Putain, il manque pas grand-chose. Hein. 4007. Bon, 23000. Ah non, j'y suis là. À qui? Ben, équipé. Ah oui! Très bien. Après, j'ai 233 points LX. Par contre, il faut que je regarde parce que je suis sûr qu'en bas. Non, pour l'instant. Il n'y a rien. Manteau fantôme, ok. Tête, j'aurais rien. Faut que je regarde si j'ai rien d'autre d'acquis. Non. Ah, peut-être celle-là. Regardez. Équipé. Capuche fantôme légendaire. Très bien. Faut quand même vraiment aller tout en bas. C'est pas bon ça?
Je suis en train vraiment de m'améliorer. Tout mon perso. Allez, on vérifie une dernière fois. Brassard fantôme légendaire. Déjà, niveau du personnage, 4, mais un 4 amélioré quand même. Hein. Bonjour. Tout ravitaillé, qu'est-ce que j'ai à ravitailler? Allez, là. Allez. C'est parti, on va aller voir là-bas. Il y a un coffre. Si je pouvais récupérer de l'argent, on va au coffre et après, on fait la mission. Bon, à mon avis, on se rapproche quand même grandement de la dernière mission, là. Cloche d'alerte. Oui, je vois pas trop le délire, mais ça devait être à l'époque. Là, je vois pas vraiment d'ennemis. Il y en a là-bas. T'inquiète pas, je vais aller chercher ton voleur. 1500 francs, ouais. Non. Pas trop par là-bas. Voilà. Ma patience a des limites, sale chien. N'erve pas. J'ai rien fait si ce n'est aider une citoyenne. Bah, ce qui va pas, c'est que tu viens de me casser les couilles alors que j'aide quelqu'un. Mis à part ça, tout va bien. Il y a un coffre là. Et là-bas, je vais pouvoir aller faire ma 20e mission du jour. Allez. Fini la courtoisie. Ça. Vous avez reçu un brassard fantôme. Améliorer. Le ciel soit sur vous. Brassard fantôme amélioré. Voyons voir. Qu'est-ce que j'ai au bras? Non. Préparation de l'équipement. Équipement. Avant-bras. Ah oui. Brassard fantôme amélioré, ouais. Non, non. Pas de soucis, je préfère le mien. Allez. On est parti pour la mission. Il n'arrive pas à monter sur les trois marches. C'est impressionnant. Il monte sur une vigne et là, il y a trois marches et il n'arrive pas à y aller. Allez, go. Allons voir Monsieur Robespierre. Allons lui poser quelques questions. Que se passe-t-il ? Ce Robespierre, il a déclaré cette journée « Fête de l'être suprême ». Un hommage à la vertu de la nation et au devoir de tous les citoyens. Ça me rappelle quelque chose. Une interprétation assez libre de la doctrine des Templiers. Avec tout ce cirque, on ne réussira jamais à l'approcher. Mieux vaudrait se retirer et attendre une meilleure opportunité. Tu penses toujours comme un assassin, mais cette fois, j'ai un plan. Oh, et c'est quoi ce plan? Penser comme un Templier. Ok. Moi, je te suis. Hein. Incroyable. Je croyais qu'on était censé devenir des rationalistes. Vive Robespierre. Est-ce que c'est joli? Bravo. Vive la liberté! Si l'être suprême n'est pas Robespierre, je mange mon chapeau.
C'est quoi le Allez, je te suis. Au point d'en devenir grotesque. Ça va être compliqué quand même là. Excusez-moi. Je suis là très cher. Le champ de Mars, vous m'arrêterez peut-être hein, si je me trompe. Hein. Mais c'est bien là où est construit la tour Eiffel. Je suis désolé, moi à Paris, j'y suis allé deux fois dans ma vie. Il a fait venir la moitié de la garde. Nous n'arriverons jamais à nous approcher de lui. Ça, je te l'avais dit. Par contre, il est moins populaire qu'auparavant. Les purges, le culte de l'être suprême. Si on parvient à le discréditer, s'en sera fait de lui. Quoi de mieux que se donner en spectacle aux yeux de tous? Exactement. Si on arrive à le faire passer pour un fou dangereux, son pouvoir fondra comme neige au soleil. Mais il faudra des preuves irréfutables. Je crois savoir par où commencer. Tu viens? Retrouve-moi plus tard. J'ai des choses à faire, moi aussi. Allez, va. Allez, Arnaud. Excusez-moi. Bon, alors là maintenant. Sa pensée et ses vœux vers le grand être qui lui donna la mission de les entreprendre. Comment je rentre là-dedans? Laisse pas lui dont la main immortelle prendra dans le cœur de l'homme le code de la justice et de l'égalité qui passe à la sentence de mort. N'est-ce pas lui qui, dès le commencement des temps, C'est super, super chaud là. Honnêtement, la liberté, la bonne foi et la justice. Il n'a pas créé les rois pour dévorer les spécimens. Il n'a pas créé les prêtres pour nous attirer comme de villes animaux. Il descend, Arnaud, putain. C'est pour donner aux exemples de la bassesse, de l'orgueil, de la perfidie, de l'avarice, de la dévotion et du mensonge. Mais il a créé l'univers. Ah, il y a un tireur là-haut. Non. Ok. On lui revient par là. Très bien. Peuple généreux, veux-tu triompher de tous tes ennemis? Pratique la justice et rende à la divinité le seul culte qui nous aide. Je vais te voir un peu là. Je suis là, alors peut-être qu'en passant dans le dos maintenant. Peut-être pouvoir aller s'aborder la cloche parce que là honnêtement c'est chaud. Hein. Ah putain, faut faire un tour là. À essayer de voir par l'autre côté, mais ce sera peut-être plus simple. Je sais pas trop. Voici, si ça va être plus simple en tout cas. Parce que je sais. Waouh! Tranquille. Ça a été chaud, hein. J'ai bien cru que j'allais me faire choper là. Eux, ils sont pas méchants. Où il va lui? Il va là-bas. Tout va bien.
Ah putain, fait chier, je me suis fait repérer. Et bon, c'est bon, je suis parti. Vous énervez pas comme ça. Pourquoi tirer tout de suite là? Je vais t'avoir. Ok. Wow. Bien sûr. C'est qui m'a rattrapé, hein? Ah mais ils vont m'attraper. Non seulement ils vont m'attraper, mais il va me tuer en plus, ce salaud là. Eh ben bouge un peu, Arnaud là, putain. Ils m'ont perdu. J'ai bien vu un coffre. Ils sont partis. Allez, voyons voir. Non. Descends de là. Et il me fatigue des fois, Arnaud, je vous jure, il me fatigue. Mais on va voir par où je peux rentrer là. Déjà on va crocheter là. Ah, dommage. C'est pas la peine, je vais pas perdre de temps là-dessus. Allez. Retournons au champ de Mars. Hop! Excusez-moi, excusez-moi, je fais que passer. Ok. Eux, ils font quoi là? Ils sont arrêtés ou pas? Pas trop me cacher en plus hein. Et lui il fait quoi lui? Et ils reviennent, faut que j'arrive. Ouais, ok, bon, donc c'est pas la peine. Des preuves incriminantes. Je dois trouver des preuves incriminantes. J'en ai là, non? Publiciste de la Révolution française. Faut que je fasse attention à pas me faire choper. Sans le moindre intérêt. Voilà, peut-être ça. Monsieur, vous qui avez été le sauveur de la République, je vous implore aujourd'hui d'être aussi celui de mon frère. En ce moment même, il croupit. C'est une demande de grâce. Pas de quoi renverser un tyran. Bien que je fasse attention. Une lettre. Monsieur Robespierre, veillez à ne pas laisser votre ambition personnelle prendre le pas sur le grand œuvre. En voilà une déjà, je pense, non? Il me faut quelque chose de plus solide. On dirait un journal. À exactement 5h du matin, un rappel sera battu dans Paris. Il invite. On passe, hein? Sans le moindre intérêt. Alors, ça va être celui-là. Il n'y a plus que ça, pas de façon. Timo qui l'essayait de cacher. Merlin, Talien, Bourdon. Ce sont tous des députés de la Convention.
qu'il a dû régner sur la terre. Des listes d'hommes politiques rédigées par un homme qui adore envoyer ses rivaux à la guillotine. Oui, ça devrait faire l'affaire. Pour élever sa pensée et ses vœux. Ah, voyons voir maintenant. Qui lui donna la mission de les entreprendre et la force de les exécuter. Parler à Élise, ok. Par contre, avant tout, avant de parler à Élise, il faut que je m'enfuis. Ça, c'est bien vu, ça. On a presque pu faire le coffre, quand même. Ça aurait été osé. Signifie tout ça. Excusez-moi. Est-ce que c'est moi ? Ouh, c'est vraiment très senti. Bonjour, enchanté. Excusez-moi, je suis passé, vous énervez pas. On va y retrouver Élise, on a trouvé ce qu'on veut. Ce qui devrait nous permettre d'éliminer Robespierre si on arrive à faire pas un coup d'état, mais si on arrive à faire une émeute. Pas l'intention de me battre là, pas du tout. Une cinquantaine de députés de la convention, tous opposés à Robespierre, il veut les éliminer. J'imagine que ces messieurs seraient intéressés d'apprendre toute figure sur cette liste. Mais avant, qu'est-ce qu'il veut faire? Monsieur Robespierre a fait venir ses propres rafraîchissements. Distrait les gardes, j'ai une idée. Distraire les gardes, je sais faire. Ouais. Armée, tour à tour, des poignards, fanatisme. Poisson, l'athéisme. Peuple. Armée, tour à tour, des poignards du fanatisme, poisson, l'athéisme. Peuple. Craignent leur complot sacrilège. Armée, tour à tour, plus bastille, des poignards du fanatisme. Des poissons. Ah, je tiens. Allez, encore. Super. Bon, bah là, on est pas bien. Je pense qu'on va recommencer. On va le sentir passer. Tu ne réussiras pas à t'enfuir. C'est vrai. Je parlais pour le contraire. Pourtant, allez, dégage. Putain, arrête de grimper partout. Il me casse les couilles à grimper partout, là. C'est génial. Je vais attendre. On va recommencer, hein. Faire attention à pas se faire repérer. Tellement moi les assommer, je vois pas trop comment je peux faire, quoi. C'est super dur là. Qui dépend de la fortune ou de la perversité d'autrui. Monsieur Robespierre a fait venir ses propres rafraîchissements. Oui, je sais, je sais. Distraire les gardes, j'ai une idée. Distraire les gardes, fanatiques. Je sais faire. Les poissons. Et les mignonnelles. Peuple. Armée tour à tour. Des poignards du fanatisme, des poisons de l'athéisme. Peuple. Craint plus leur complot sacré. Armée, tour à tour, des poignards du fanatisme et des poisons. Peuple, ne craint plus leur complot. Peuple,
ne crains plus le complot d'Inglais. Le voilà. Voilà. Oh. Oh non, mais non. Le mec, il est en train, il est en furie, il me bute. Oh, ça me saoule ce passage là. Putain, c'est fou ça. Je vois, en plus, je vois pas comment la protéger. Alors, je vais essayer de balancer des pétards de l'autre côté. Est-ce que ça va attirer le mec? Je sais pas. C'est pareil, les mecs, ils sont là-bas, ils me voient, quoi. On va essayer, je vais essayer de balancer des pétards. Armée. Tour à tour, des poignards, de quoi s'agit-il? Des poisons. Et le peuple ne craint plus leur complot. Mais non! Oh là là là! Bon allez, vas-y! Je me casse, ça me saoule, ça me gave. Je peux rien faire, je sais pas comment faire. Putain, ça c'est le genre de mission, c'est d'un casse-couille. Je vois pas ce que je peux faire pour ça. Assommer les gardes. T'es gentil, je peux pas approcher. Je les assomme comment, espèce de con? Alors l'autre, en plus, elle va y aller, elle va aller si jeter dessus. Sortez d'ici. Mes excuses. Soyons généreux envers les compatissants envers les malheureux. Et ouais, voilà, voilà. Ma mère se serait déjà évanouie. Honnêtement, je vois pas ce que je peux faire. Ils sont quatre, je ne peux pas m'approcher. Mais faut que je les distraie. Distraire les gardes, j'ai une idée. Distraire les gardes, je sais faire. Tu sais faire, tu sais rien faire du tout, tête de nœud, j'arrive même pas. Compatissant envers les malheureux, inexorable vers les méchants. Voilà, lui il s'approche. Ne comptons point sur une prospérité sans mélange, et sur des triomphes sans obstacle, ni sur... Soit je m'occupe de lui d'abord. ...ou de la perversité des fruits. Armée, tour à tour, poignard, fanatique. Voici, la tiresse. Armée, tour à tour. Non. Poignard, fanatique. Armée, tour à tour, des poignards du fanatisme, des poisons. Peuple, ne craint plus leur complot. Hop. Ne craint plus leur complot, sacrilège. Je vais bien se dépêcher par contre parce que j'ai pas que ça à faire. Ils ne peuvent pas plus arracher le peuple. Ne craint plus leur complot sacrilège. Peuple ne craint plus leur complot sacrilège. Que s'est-il passé? Rien. C'est surtout la sagesse. Quoi? Que nous coupons. Hein, il y a quelque chose? Ah oui, il est mort. Vous les chassez de la République. Voilà.
pas à côté. Eh bah putain. Mais s'il faut pas faire pour réussir à... J'aime bien parce qu'ils disent assommer. Je vois pas comment je peux les assommer quoi. Si je viens, c'est moi qui vais t'arracher. C'est autre chose que je vais t'arracher par contre. De l'ergot en poudre. Cela provoque des hallucinations. Il aura l'air d'un dément. Il ne nous reste qu'à lui donner l'air dangereux. La liste de noms. Il faut qu'elle tombe entre les bonnes mains de manière anonyme. Si l'on nous repère, Germain sera sur ses gardes. On m'en occupe. Laisse-moi faire. Ouais. Pas gagné ça. Hein. C'est pressé. Toi qui avais l'intention de te botter le cul jusqu'à Orléans. Ne bouge plus. Ok. Il ne peut plus défigurer la divinité par la superstition. Il regarde dans quelle direction, mais toi on s'en fout. Son 18 mètres et 66. Excusez-moi. Généreux dévouement n'est point une brillante folie. Si les satellites de la tyrannie peuvent vous assassiner. Ah, c'est plus facile à dire qu'à faire là par contre. Hein. Homme, qui que tu sois, tu peux concevoir encore des hautes pensées de toi-même. Tu peux lier ta vie passagère à Dieu même et à l'immortalité. Tu le vois ou pas? Tout son éclat et la sagesse, tout son empire. Conduite inconvenante, moi. Mais pour qui diable Robespierre se prend-il? Qu'y a-t-il, monsieur? Soyons graves et discrets dans nos libérations. De détrousseurs! Comme des hommes, bon sang, et qu'a-t-il les intérêts du monde? Rien. Il m'a même mis quelque chose dans les poches. Bon, déjà 2 sur 3. Celle-là, je pensais que ça serait plus dur. Je pensais pas que j'aurais le droit de passer avec. Même habillé en innocent, en civil. Je pensais pas avoir le droit de passer. Je pense que j'ai fait le plus dur. On va aller faire l'un des plus simples. Ok, lui là. On va passer au milieu des gens. Hein. Repassons au milieu. Voilà. Regardez-le, cette pavanée sur les quais. Que le roman de leur propre cœur. Soyons ardents et opiniables dans notre colère contre les grands conjurés. Imperturbables dans les dangers. Terribles dans les revers. Il suffira de nous. Modestes et vigilants dans les succès. Qui s'en aille, lui. Infortunés, redressez vos fronts abattus. Vous pouvez encore impunément lever vos yeux vers le ciel. Cela devrait faire que la nature. Voilà. Ça, c'est bon, c'est fait. C'est surtout la sagesse que nos coupables ennemis voulaient chasser de la République. C'est à la sagesse seule qu'il appartient d'affermir la prospérité des empires. C'est à elle de nous garantir les vies. Liste d'ennemis de la Révolution. Elle comporte une cinquantaine de noms. Robespierre est allé trop loin, cette fois. Le loup est dans la bergerie. Je perds mes moutons. Et maintenant? On attend. Ça ne sera pas long. Lorsque Robespierre aura perdu l'appui du peuple, il ne sera plus utile à Germain. Et quand Germain l'abandonnera... Il sera vulnérable. Partons. Eh ben voilà, nickel. Eh bien écoutez, j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve rapidement avec un nouvel épisode d'Assassin's Creed. Portez-vous bien et à bientôt. Ciao tout le monde.